Donc il y a aussi celui qui se tient à la porte de la bergerie. He gave this story, they didn't understand it. Donc Jésus a donné cette histoire que les pharisiens n'ont pas comprise. Verset 7. Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. Et donc Jésus leur a dit encore verset 7, en vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis. Hallelujah. He is what? The gate of the sheep. Qui est-il? La porte des brebis. All who come before me are thieves and robbers. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. This is the second time he is repeating thieves and robbers. Oh. Et c'est la deuxième fois que Jésus répète en parlant des voleurs et des brigands. Hallelujah. But the sheep have not listened to them. Mais les brebis ne les ont point écoutés. And then he says, I'm the gate. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Whoever enters through me will be saved. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Please mark it if it's your Bible. Whoever enters through me will be saved. Notez-le dans vos Bibles. Quiconque entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. So the first thing Jesus is saying that he is what? He is the gate, is that so? Donc Jésus dit aux pharisiens qu'il est la porte. Very, very important. They will come in and go out and find pasture. Donc, elles vont aller et rentrer, sortir et venir, et trouveront des pâturages. If you come in through Jesus, you will be saved. There's safety. Donc, si vous entrez dans la bergerie par Jésus, vous serez sauvés. Il y a la sécurité. And then he says, they will come in and go out and find pasture. Et il dit encore, il entrera, elles sortiront et trouveront des pâturages. Hallelujah. Hallelujah. The verse 10. Verset 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I know you know this verse very well. Verset 10 que je pense que vous connaissez très bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. I have come that they may have life and have it to the full. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. In abundance, yes. Soit dans l'abondance. Hallelujah. Then it says, so if the first thing it describes about the whole scenario is that he is what? The gate, is that so? Donc la première chose que Jésus a décrite dans ce scénario, c'est quoi? C'est qu'il est la porte. The second thing he does now is to describe himself as a shepherd. Donc la deuxième chose que Jésus décrit, il se présente en fait comme le berger. So he is the gate and the shepherd at the same time. Il est le berger, il est en même temps la porte. Hallelujah. Hallelujah. Now it makes sense because in the olden days, I think still in the eastern regions. Donc, ce que Jésus dit a du sens parce que dans les pays de l'Est, Most times when the sheep is sleeping, lorsque les brebis dorment, it is the shepherd who is the gate of the sheep. C'est le berger qui est en fait le gardien de la porte, qui surveille la porte. The shepherd lies at the door. Donc, le berger dort à la porte. To guard the sheep from going out or from a wolf coming inside. Donc il dort à la porte pour protéger les brebis et éviter que les loups entrent dans la bergerie. So it makes very perfect sense because Jesus is saying, I am the gate of the sheep. Donc ce que Jésus a dit a un sens vrai parce qu'il dit je suis la porte des brebis. And then he says, I am the shepherd of the sheep. Donc Jésus dit je suis la porte de la bergerie et je suis aussi le berger. Does it make sense to you? Est-ce que vous comprenez? Does it make sense? This is very, very important. I want you to follow. Donc c'est très important, je veux que vous suiviez. Eesh. The whole, in fact, the book of John is the magnificent book among the Gospels. Donc le livre de Jean est un des livres les plus magnifiques. And the most important chapter is this chapter we are dealing with that you are very quiet about. Et le chapitre le plus important du livre de Jean est celui dont nous parlons, qui est le chapitre 10. This is the chapter that separated every other religion from Christianity. Donc c'est ce chapitre là qui sépare en fait la chrétienté de toute autre religion. Huh. Wow. Hallelujah. Hallelujah. So here he says he is what? The gate. And then now he says he is what? The shepherd. Does it make sense? Ask your brother, does it make sense to you? Donc ici, Jésus s'est présenté non seulement comme le... Oh, ask your brother for me. Those online, ask your brother. Does it make sense? Does this make sense to you? Et ici, il se présente comme le berger. Est-ce que cela vous parle? Eh? Can you explain to somebody how Jesus is the gate and the shepherd at the same time? Est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un comment Jésus peut être à la fois le gardien et en même temps le berger? Uh-huh. Wow. Hallelujah. Hallelujah. It makes sense, no? It makes sense. Yes, it does. It makes sense. Il me demande si ça a du sens. Je pense que oui. Then he says, the good shepherd lays down his life for the sheep.
Verse 11. Okay. Donc verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hey, the good shepherd lays down his life for the sheep. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. The hired hand is not the shepherd. Verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger. And does not own the sheep. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Of course, the sheep is not for him. C'est normal puisque en tant que mercenaire, les brebis ne lui appartiennent pas. I don't know. You see the difference between when something is for you. Est-ce que vous voyez la différence lorsque quelque chose vous appartient? And how you keep it very well. Comment est-ce que vous gardez cette chose bien? When you finish cooking. Lorsque vous finissez de préparer. You clean your pot and all that. Vous lavez les casseroles et tout. When you give it to somebody. Lorsque vous les donnez à quelqu'un. And you go and see it. Et vous allez la voir. Your heart begins to beat. Votre cœur commence à battre. Because it's not for the person. Parce que c'est pas pour la personne en fait. It's the same thing here. C'est la même chose ici. He says the hired hand. He doesn't own the sheep. Parce que le mercenaire n'est pas le propriétaire des brebis. So when he sees the wolf coming. Et donc lorsqu'il voit venir le loup. He does what? He abandons the sheep and runs away. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis et fuit. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Et le loup les ravit et les disperse. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Hallelujah. I want everybody to follow. This is very, very important. Just leave the door. Brother, just leave it. Let's follow. Hallelujah. Hallelujah. Very, 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 very important for us. Mm-hmm. Then it says, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Donc, en fait, c'est la relecture du verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Now, verse 14, Jesus begins to explain why he will lay down his life for the sheep. Donc, au verset 14, Jésus commence à expliquer pourquoi est-ce qu'il va donner sa vie pour les brebis. Again, he says, I'm the good shepherd. Now, first he said he was the shepherd. Mm-hmm. Now he says, I'm the good shepherd. Donc, ici encore, Jésus a dit auparavant qu'il est le berger, et ici, il dit, je suis le bon berger. And this is the most wonderful, wonderful statement in the Bible for me. Et ça, c'est un des propos les plus merveilleux qui se trouvent dans la Bible. I know my sheep. Je connais mes brebis. And my sheep know me. Et elles me connaissent. Verset 14. Do you know what Jesus says at the end of the world? Est-ce que vous savez ce que Jésus a dit? Jesus says some people will come to him and say, "Oh, master, you say, I don't know you." Il dit beaucoup de gens vont venir à lui dire, maître, et il leur dira, je ne vous connais pas. So Jesus is saying here, for my sheep, I know them. Et Jésus dit ici, en ce qui concerne mes brebis, je les connais. Now, if you are listening to me and you are not sure Jesus knows you. Et si vous m'écoutez, vous n'êtes pas sûr que Jésus vous connaisse. I know my sheep and my sheep know me. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Wow. This separates you from every other religion. Et ça vous sépare donc de toute autre religion. Because every other religion says we do it, we don't know him, he doesn't know us, but we do it one day maybe. Parce que les autres religions disent on fait ci, on fait ça, peut-être un jour. We have the privilege. Nous avons le privilège. Hallelujah. Alléluia. To be known by God. Nous avons le privilège d'être connus de Dieu. And also to know him. Et de le connaître aussi. Hey! I am the good shepherd. Je suis le bon berger. I know my sheep. Je connais mes brebis. And my sheep know me. Et elles me connaissent. Wow! It is a deep relationship. C'est une relation profonde. So it is not about going to church. Donc il ne s'agit pas d'aller à l'église. It's not about being associated with a very important man of God. Donc il ne s'agit pas d'être associé à un homme de Dieu important. At the end of time. À la fin des temps. Or when you die. Ou lorsque tu mourras. This verse will be the most important verse to you. Ce verset sera le verset le plus important. This verse that says, I know my sheep. Parce que ce verset dit, Jésus dit, je connais mes brebis. And they also know me. Et elles me connaissent. Nothing will matter to you apart from this verse. Rien ne doit vous préoccuper ou ne doit avoir de l'importance pour vous en dehors de ce verset. Oh, thank you, Father. Merci, Père. Verse 15. Verset 15. I'm loving this one. J'aime celui-là. He says, just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for the sheep. Donc verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis. It says, I have other sheep that are not of this sheep pen. Donc verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. I must bring them also. Continue. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. We'll come to the verse 16. We'll leave it for now. Donc, on reviendra sur le verset 16. On le laisse pour le moment. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Donc, on lit le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Have you thought about this before? Avez-vous pensé à cela avant? He says what? Qu'est-ce qu'il dit? I want. Qu'est-ce qu'il dit? I want, I lay down my life, il dit, only to take it up again. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Now, what he says, verse 18 is more interesting. Donc, ce qu'il dit au verset 18 est encore plus intéressant. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. Donc verset 18, il dit, wow. Personne ne me l'ôte, il parle de sa vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Hallelujah. No one takes it from me, no. I choose to lay it, it's of my own accord. Donc personne ne me l'ôte, c'est de ma propre volonté que je la donne, ou que je la sacrifie. Hallelujah. Amen. Are you following Jesus? Now, how many of you can decide to lay down your life and pick it up again? Est-ce que vous suivez Jésus? Combien de personnes peuvent décider de donner leur vie et de la reprendre? I was thinking about this. I have finished pharmacy. Donc je pensais à ces choses-là. If they ask me to give away my degree and then start again, I don't think I'll start again. Si on me demande d'abandonner mon diplôme et de recommencer toutes mes études de pharmacie, je ne pense pas que je le ferai. There are certain courses like biochemistry. If they ask you to go and rewrite, I think you don't want to rewrite it. Il y a des cours comme la biochimie. Si on vous demande de les repasser, je ne pense pas que vous allez l'accepter. Are you getting it? Yeah, you cannot attain something and decide to leave it and go back for it. Donc vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau et puis les abandonner et recommencer encore à zéro. I remember our president during the COVID time. Et je me rappelle notre président pendant le temps de He COVID. He gave a very wonderful speech. Il a donné un discours magnifique. And we were all clapping, myself also clapping. Et donc on a tous applaudi, y compris moi. He says all those are dying, all those who are dying. Et il dit tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont en train de mourir. It's better with because every country was weighing between saving the people or saving the economy. Donc en fait, il y avait un dilemme dans chaque pays entre sauver l'économie ou sauver la vie des personnes. He says no, let's save the people. Let's et, try. Et notre président disait sauvons plutôt les populations, essayons de le faire en tout cas. So, the economy, we know how to get it back. Donc l'économie, on sait comment la remettre sur pied. But even now, he still doesn't know how to get it back. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas su comment redonner de l'impulsion à l'économie. It's not easy to give something away and take it back yourself. Ce n'est pas facile de donner quelque chose et de la reprendre. Jesus says, "I can." Et Jésus dit, "Lay down my life." Je peux donner ma vie. And in death. Et dans la mort. As I am dead. Pendant que je bien que mort, I can take my life back. Je peux reprendre ma vie. Please, is there anybody like Jesus? S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un comme Jésus? Have you heard anybody who has laid down his life? Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a donné sa vie? In death. Dans la mort. And then while dead. Et pendant qu'il est mort. I don't know whether they all die lifting up their legs. Je ne sais pas s'ils sont tous morts en levant les pieds. Then while dead, he picks back his life. Et bien que mort, il reprend sa vie. Oh, put your hands together for Jesus, please. Applaudissez pour Jésus. There's nobody like him. Il y a personne comme Jésus. He's not a prophet, I'm telling you. Il n'est pas un prophète, je vous le dis. Because none of the prophets have been able to take back their life. Parce qu'aucun des prophètes n'a été capable de reprendre sa vie après la mort. I choose to put it down. I chose to put it down. Il dit, je choisis, je donne de moi-même ma vie. Have you watched Rambo movie? Est-ce que vous avez regardé le film Rambo? Rambo. When you are shooting Rambo, Rambo is not dying. Lorsqu'on tire des balles sur Rambo, il ne meurt pas. Imagine the most
the most difficult person in life. Somebody you are trying to kill who does not die. Imaginez que vous essayez de tuer quelqu'un et qu'il ne meurt pas. La personne la plus difficile. Now this one is not that he's not that he chooses to die. Et dans le cas de Jésus, il a choisi volontairement de mourir. Oh, kill me. Yeah, kill me. Oh, kill me. Il s'est donné. Then 3 days. Et 3 jours après. Hey! What kind of person is this? Quel genre de personne est-ce? Please put your hands together for Jesus again. I mean, applaudissez pour Christ, Jésus. What kind of person is this? I mean, he's not a. That is why they said there's something wrong with you. Donc c'est pour ça que les gens disaient à Jésus qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Look, verse 19. The Jews who heard these words were again divided. I'm telling you, you'll be divided when you hear these such things. Donc au verset 19, il y a eu de nouveau des divisions parmi les Juifs à cause de ces paroles. Many of them said he is demon possessed. Et verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, something is wrong with him. Il a un démon, il est fou. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. They're still listening to him. Et ils disaient, est-ce que vous continuez de l'écouter? He's raving mad. Why listen to him? But others said, these are not the sayings of a demon, of a man possessed by a demon. Donc verset 21, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. See, Jesus always divides us, I'm telling you. Regardez, Jésus est toujours source de division. Hey! I choose to put my life away and take it back. Yeah. Donc je choisis, je donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre par la sa vie. Now, my brothers and sisters, mes frères et sœurs, this is the person who is asking to be your coach. Donc, ce passage nous montre la personne qui demande à être le coach de nos vies, qui veut coacher nos vies. Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? How many would like to have a coach like this? Combien d'entre nous voudraient avoir you un coach? You shoot him like pareil? This, Okay. Vous tirez sur lui. He's more than Rambo, Jackie Chan. Il n'est pas un Rambo, il n'est pas Jackie Chan. He's more than this. I mean, il you shoot him like, okay. 3 days, he's back. Vous tirez 3 jours après, il ressuscite. Hey! How many would like to have him? Combien d'entre nous voudraient l'avoir comme coach de nos vies? Hallelujah. Hallelujah. Now, Psalm 18. Go with me to Psalm 18. Donc nous allons dans le psaume 18. Psalm 18. Verse 32. Psalm 18, verse 32. Donc psaume 18, verset 32. The God who gives me with strength and makes my way perfect. The God who arms me with strength and keeps my way secure. Which verse? The verse, I think it's 33. 33. Psalm 18, verse 33. Ah, okay. Yeah. The Donc French, le verset 33 plutôt. French is always ahead of us. I don't know. Yeah. Donc psaume 18, verset 33. You've read it? Yes, ready for us. Okay. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Hallelujah. He makes my feet like the feet of a deer. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. In fact, the feet of a deer's feet is very stable. Donc en fait, les pieds, les pattes d'une biche sont très stables. On dangerous heights, like very dangerous roads, you see, the deer's feet is very, very stable. Donc sur les routes dangereuses, les pieds de la biche sont très stables. Then he says, he sets me, he causes me to stand on heights. Et il dit l'autre partie du verset, il me place sur des lieux élevés. The verse 34. He teaches my hands to war so that my arms can bend a bow of bronze. Donc le verset suivant, verset 35, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. He says, you have given me what? Verse 35. You have given me, you make my, your saving help my shield and your right hand sustains me. Your help has made me great. Donc dans la version française maintenant, c'est le verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Hallelujah. So on Friday we prayed about verse 34.
Donc le vendredi, nous avons prié concernant le verset 34. He says, he teaches me. He teaches my hands to war. Donc on a prié conformément au verset 35 chez nous dans la version française qui dit, il exerce mes mains au combat. Uh-huh. We saw other versions. We realized that it teaches with, like he prepares you. Et on a regardé dans plusieurs versions et on a compris qu'il veut qu'il nous prépare. We saw that he coaches you. Et on a vu qu'il nous coach. We saw that he trains you. On a vu qu'il nous forme. Hallelujah. Hallelujah. And such a person is a coach. Et donc une personne qui fait ces choses est vraiment est un coach. David had a life coach. David avait un coach de vie. And he was God. Et ce code de vie était Dieu. Hallelujah. In our text we are reading this morning. Donc dans le passage que nous lisons ce matin. Jesus is saying, I am the shepherd. Donc Jésus dit, je suis le berger. I am the life coach of the sheep. Je suis le coach de vie des brebis. And he's telling us why we must allow him be the life coach. Et il nous dit ici pourquoi nous devons lui permettre d'être le coach de notre vie. Hallelujah. We saw that there are things that we cannot do by ourselves. Donc we don't know. On a vu qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes et donc you nous think pas you are a woman, but you can't be married by yourself. You think you're a woman. Yeah, but you are a woman. You think you're a woman, but you cannot be married. Okay, you think you're a woman. Okay, tu te dis tu es une femme, mais tu penses que tu peux te marier par toi-même. You think you're a man, you can be a husband. Donc tu es un homme et tu penses que tu peux être un mari. But very quickly you realize that you need a life coach et in marriage. Et très vite tu réalises que tu as besoin d'un coach de vie pour t'aider dans ce chemin du mariage. Look at the story of our mother. Regarde l'histoire de notre maman ce matin. She took time to realize that she needs a life coach. Elle a, ça lui a pris du temps avant de réaliser qu'elle avait besoin de quelqu'un pour coacher sa Hallelujah. Vie. Hallelujah. Any part of your life, you need a life coach. Chaque aspect, chaque moment de notre vie, nous avons besoin and d'un coach. And David had God himself teaching, training, preparing him. Et David avait pour coach, pour formateur, Jésus, Dieu lui-même. Imagine you are going to war with David. Imagine. Imagine que tu vas à la guerre avec David. Who is his general advisor? Qui est son conseiller général? God himself. Can you win against God? Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez battre Dieu? Hallelujah. The verse. Let's go back to our text now. John chapter 10. Donc nous repartons dans le livre de Jean chapitre 10. Let's see a few reasons why we need God. Donc nous allons regarder ensemble quelques raisons pour lesquelles why should we submit to Jesus nous as avons our life besoin coach? De Jésus. Les raisons pour lesquelles nous devons nous soumettre this à lui. This is the title of my message this morning. Donc les why raisons. Sorry. Submit to Jesus. Pourquoi se soumettre à Jésus en tant que le laisser être notre coach de vie? As your life coach, the verse 3. Donc verset 3 du chapitre 10. He says the gatekeeper opens the gate for him and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Donc le verset 3, il dit le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Hallelujah. The first reason why you need to allow Jesus. Donc la première raison pour laquelle nous devons donner accès au Seigneur. Be the life coach of your life. Permettre qu'il soit le coach de vie de notre vie. He knows you more than anybody. Et c'est parce qu'il nous connaît plus que quiconque. Hey! Do you know that God knows us more? Est-ce que vous savez que Dieu nous connaît parfaitement? He knows every single part of us. Il connaît toutes les moindres détails, les moindres parties de notre être. And he wants to have an intimate relationship with us. Et il veut avoir une relation intime avec nous. A satisfying relationship with une us. Une relation satisfaisante avec nous. Hallelujah. Hallelujah. In Isaiah chapter 40. Donc dans le livre d'Ésaïe, verse 10. Ésaïe 14 verset 10. Verse 10 to 11. Isaiah chapter 40 verse 10 to 11. Donc Ésaïe 14. The shepherd, the servant of God, who was Jesus, was described as a shepherd. Donc, dans ce passage, le serviteur de Dieu, qui était Jésus, Isaiah chapter 40, please put it up for us. Est décrit ici comme un berger. Could you read for us, verse 10? Okay. Ésaïe 14, verset 10. 10, 40. Ah, 40, verse 10. Okay. Ésaïe 40, verset 10. Can you put it up for us? Donc, j'y suis. Okay. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance mm-hmm. et de son bras il commande. Mm-hmm. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Hallelujah. The next verse. Verset 11, comme un berger il paîtra son like troupeau. Like a shepherd. Comme un berger. Hallelujah. He tends his flock like a shepherd.
Il pètera son troupeau. He gathers the lambs in his arms. Il prendra les agneaux dans ses bras. And carries them close to his heart. Il les porte dans son sein. He gently leads those who have young. Il conduira les brebis qui allaitent. Hallelujah. He knows those who are young. Il connaît ceux qui sont jeunes. He knows those who are feeble. Il connaît ceux qui sont faibles. He knows those he has to be gentle with. Il connaît ceux avec qui il doit être gentil. God knows every single part of you. Donc il connaît toutes les parties de votre être. Hallelujah. God told Jeremiah, before I formed you in the womb. Et il a dit à Jérémie avant que je ne te forme. He did not say. Can you look at it? Let's just read it again. Regardons-le. Jeremiah chapter 1. Jérémie 1. Before. Jeremiah chapter 1. Jérémie 1. He did not say before you were formed in the womb. Il n'a pas dit avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Before your mother ate couscous and you started being formed. Il n'a pas dit avant que ta mère ait mangé du couscous et que tu sois formé, que tu aies été formé. She felt like eating banco and then your legs came. Elle a eu envie de manger et ton pied est sorti. Non, c'est pas ça. He says before I. Il dit avant verse que 5. Avant que je. The word of the Lord came to him, verse 4. He said, verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Et il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Before you were born, I set you apart. Et avant que tu fusses sorti de son sein, who formed you? Qui l'a formé? Who formed you? Qui t'a formé? According to the Bible, who formed you? God. Ce passage, c'est Hallelujah. C'est Dieu. He said, "Before I formed you, before I formed you in the womb, I knew you." Il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. This verse has always touched my heart very deeply. Ce passage a toujours touché mon cœur profondément. I remember when our child was being was in the womb. Je me rappelle quand notre enfant, ma femme était enceinte de notre enfant. EJ. Le petit garçon. EJ always reminds me of this verse. Il me rappelle toujours ce passage. I remember my wife had gone to check about the sex of the child. Donc je me rappelle ma femme est allée à l'hôpital pour vérifier le sexe de l'enfant. And that time I think we were fasting or something. Et à cette époque là nous étions je crois dans un moment de jeûne. And as I was in a room praying the Lord showed me a vision. Et alors que j'étais dans ma chambre en train de prier le Seigneur m'a montré une vision. I saw a child on a stroller. J'ai vu un enfant dans une poussette. And I saw this nice boy. J'ai vu un joli petit garçon. So I asked the Lord, whose child is this? Et j'ai demandé au Seigneur de qui est cet enfant. And the Lord told me that is your child. Et le Seigneur m'a dit c'est ton enfant. Hey, my wife came back from the test. Donc ma femme est revenue de l'échographie. And when she came, she said, oh. Glory be to God. Et quand elle est venue, elle m'a dit, ah, gloire à Dieu. A girl. Nous avons une fille. Hey. Was I dreaming or? Et je me suis demandé, est-ce que je rêvais? So I told her that I have just gotten a vision. Et je lui ai dit que je venais d'avoir une vision. That we have a boy. Que nous aurions un boy, un garçon. Yeah, un boy, yeah. Yeah, garçon, So we entered into a discussion. She's like, ah, me, I don't know the machines, and you know, she's a doctor. So. Donc nous avons commencé, nous avons discuté, et elle m'a dit, ah, c'est ce que l'échographie a montré, que ce serait une fille. Okay. So, but each time I'll put my hand on the child to pray for the child. Chaque fois que je mettais ma main sur l'enfant pour prier pour lui. When he was in the womb, I can't Quand say elle était encore enceinte, a girl or a boy. I always said a boy. Donc je ne peux pas m'empêcher de dire que c'était un garçon. He. Voilà, donc je priais toujours, je disais. And then one day, il. Getting to the time, she asked me, so what is the name of the child? Donc à un moment donné, elle m'a demandé, mais quel est le nom de l'enfant? I said, I don't know. Je lui ai dit, je ne sais pas. Because I know it's a boy inside. Je sais que c'est un garçon. But you know it is a. So she went back for another test. Donc elle est repartie à l'hôpital. Elle est repartie faire une autre échographie. And when she went this time, et lorsqu'elle est partie cette fois-ci, a professor was there and all that, and they confirmed that it is a girl. Donc le professeur était là le jour où elle est partie et ils ont confirmé que c'était une fille. Wow. So I was sitting. She came back. She's like, my brother. Elle est revenue. Elle m'a dit, mon frère.
Whether you are dreaming or you are visioning. Que tu rêves, que tu sois en train de rêver ou que tu aies une vision. This is it. Ma femme est médecin en fait. Yeah, elle est médecin, voilà. So she told people, some people are bringing female clothes. Donc les gens amenaient des habits de d'enfants, filles. I mean, pinkish. Des couleurs, des habits roses, couleur rose. I mean, everything was pinkish in the house. Tout était rose dans la maison. Wow. So I knew what I saw. Mais j'étais convaincu de ce que j'avais vu. Hallelujah. Dans la vision. And I knew that what I saw, that is it. Et j'étais convaincu que ce que j'avais vu, c'était ça. So guess a few days to the delivery. Dans quelques jours, quand l'accouchement était proche, she went for a final check-up. Donc elle est partie pour une visite générale. Oh, I was here and then she called me. Et donc j'étais là, elle m'a appelé. Hey, it is a boy. Oh. Elle m'a dit, ah, c'est un garçon. Hallelujah. It is a boy. Oh. Elle m'a dit, c'est un garçon. Hey, wow. So myself, I needed to be convinced also. Et moi-même, j'avais besoin d'être convaincu aussi. After being in doubt for some time, I think you have to be convinced now. So when she was delivering, I went to the delivery. I entered into the place to make sure that I saw what was coming out. Donc moi je suis allé dans la salle d'accouchement parce que je voulais être sûr de ce que j'allais voir. Voilà. Que c'était un garçon. And vraiment. Here comes the boy. Et ainsi. Hallelujah. Est venu le garçon. Here comes the. See, I was so shocked about this verse. Et donc j'étais si choqué à propos de ce verset. Like you've seen it, you've read it, sometimes if it doesn't happen to you this way, you don't believe it. Vous le voyez, vous le lisez, on le lit, mais tant que ça ne nous arrive pas, on ne comprend pas. So I said, God, so you knew the child inside the womb before. Et donc je me suis dit, Seigneur, donc tu connaissais cet enfant. Even when machines were making mistakes. Même lorsque les échographies faisaient des erreurs. It was the machine, not the professor. It was the machine, not the doctors. It was the machine. C'était l'échographie qui faisait des erreurs, pas le professeur. God knew what the truth was. Et Dieu savait ce que était la vérité. He knows how he has formed you. Et il sait comment il vous a formé. And he knows what he wants to do with you. Et il sait ce qu'il veut faire de vous. Hallelujah. Hallelujah. Ask somebody what is your name. Ask your brother what is your name. À quelqu'un, quel est ton nom? Do you know that God knows all your nicknames? He actually tell your brother. He knows all your nicknames. Est-ce que vous savez que le Seigneur connaît tous vos surnoms? Those names that you have not mentioned, he knows them. Les noms que tu ne mentionnes pas, il les connaît. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He wants an intimate relationship with you. Il veut une relation intime avec toi. Now, following, I'll be talking more about this issue, about the voice of God. Donc, je vais parler next time. Yes. Okay. Une autre fois, je vais parler plus en détail sur entendre la voix du Seigneur. The next thing he wants to do with you. Donc, la deuxième chose. He wants to lead you out. Le Seigneur veut nous faire sortir. He wants to guide you. Il veut nous guider. The same verse, the verse 3. Donc on repart dans le livre de Jean, du chapitre 10. He calls his own sheep by name and leads them out. Donc on le lit encore. Il appelle ses brebis entendues. Il les appelle par leur nom et il les conduit dehors. Hallelujah. Hallelujah. God wants to lead your life. Et le Seigneur veut guider ta vie. Imagine this important person who wants to lead your life. Imaginez une personne importante qui veut guider votre vie. Hallelujah. Mm-hmm. He wants to teach you. Il veut vous enseigner. Now, in Revelation chapter 7, verse 17. Donc, dans le livre de Apocalypse. Very quickly, Revelation 7, verse 17. Apocalypse chapitre 7, verset 17. Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Hallelujah. It says, for the lamb at the center of the throne will be their shepherd. Donc le verset 17 dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera. Even in heaven, Jesus will still be called our shepherd. Et même jusqu'au ciel, le Seigneur sera encore appelé notre berger. He will lead them to springs of living water.
Il les conduira aux sources des eaux de vie. How many want God to lead your life? Combien d'entre nous voudrons que Dieu How many want Jesus to lead your life? Combien d'entre nous voudrons And que Jésus God will wipe every tear from their eyes. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. When Jesus is leading you, lorsque Jésus vous guide, dirige, the tears can be there, but you'll be sure that the tears will be gone. Les larmes peuvent être là, mais vous êtes certain que les larmes seront essuyées. Hallelujah. I want you to allow Jesus to lead you. Et je veux que vous donniez accès, vous donnez la permission au Seigneur pour qu'il soit votre guide. The next thing we see about Jesus. Donc l'autre chose que nous voyons à propos de Jésus. He can make something good out of you. Il peut faire sortir quelque chose de positif de vous. Hallelujah. I stand here as a testimony. Et je suis ici devant vous ce matin en tant que témoignage. Of what Jesus can do with a person. Témoignage de ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un, ce qu'il peut faire d'une personne. Broken lives are made new. Les vies brisées sont restaurées. Hallelujah. Pauls are coming out of murderers. Paul. Paul, l'apôtre Paul était un meurtrier. Hallelujah. Prostitutes are becoming pastors. Les prostituées deviennent des pasteurs. I mean, can you imagine Jesus? Pouvez-vous imaginer? It doesn't matter how bad you are. Peu lui importe. How rough your life has been. Et que quel que soit, quelle qu'a été votre vie, qu'elle a été mauvaise. An ash to a beauty. Il peut transformer les cendres en beauté. He told Peter, "Follow me, and I'll make you." Il a dit à Pierre, "Suis-moi, je ferai." I will make you something that you have never been je before. Je ferai de toi quelque chose que tu n'as See, jamais été auparavant. If you follow Jesus, he will make you into something that you have never, you could not even imagine. Et si vous suivez Jésus, il fera de vous quelque chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé. How many want to follow Jesus? Combien voudraient suivre Jésus? I say he will make you to something that you could never imagine you could become. Il fera de vous quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé que Peter vous seriez. Never imagined that he would become this great apostle. Pierre n'a jamais pensé qu'il serait ce grand apôtre. Move from being a fisherman to become a judge, a senior judge in heaven. Quitter de son état de pêcheur de poissons pour devenir un juge, un grand juge au ciel. Hallelujah. He can make things out of us. Dieu peut faire sortir des choses de nous. The fourth thing. La quatrième chose. The verse 9. Donc c'est le verset 9. On retourne dans le livre de Jean. Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, yeah, because he first loved me. Oh, yeah. How I love Jesus. How many love Jesus? Yeah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first. Sing it again. Oh, how I love Jesus. Oh, yeah. Oh. How I love Jesus, oh, how I love Jesus, oh, yeah, because he first loved me. Hallelujah. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. When you follow Jesus, lorsque vous suivez Jésus, when Jesus is your coach, lorsque Jésus est votre coach de you vie, are eternally saved. Vous êtes sauvé éternellement. You are eternally in security. Vous êtes en sécurité éternelle. Even death cannot have a way around you. Même la mort ne peut pas avoir raison de vous. Death can bring you down, but you rise up again. La mort peut vous emmener dans le tombeau, mais vous ressusciterez. You are safe. Vous êtes sauvé. You are safe with him. Vous êtes en sécurité. Hallelujah. How many know that many workplaces, many jobs don't have safety? Est-ce que combien d'entre vous savez que dans certaines entreprises, il n'y a pas de sécurité? How many know that you can fall sick doing your work and nobody will mind you? Combien d'entre vous savez que vous pouvez tomber malade pendant le travail et personne ne va se souvenir de vous? Is it true? Yes. Yeah. So when Jesus is calling your life, donc lorsque Jésus appelle votre and vie he wants to use your life, et il veut utiliser votre vie, he wants to protect you actually.
En fait, il veut vous protéger. Hallelujah. 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 Pastor Jack used to tell me a story when he was working. Donc le pasteur Jack avait l'habitude de me raconter une histoire qui s'est passée quand il travaillait. He said he was working in an automobile company. Il dit qu'il travaillait dans une société d'automobile. And one day he was working, the cars were good. Every minute there's a new car. Et donc c'est un travail machinal. Chaque minute il y avait des voitures. And he was doing one of it, and then the machine cut his hand. Donc alors qu'il faisait son travail, et la machine a coupé son doigt. So he was normally you can't leave. Et en principe on peut pas partir. You can't leave your post because do you know one car? Do you know how much it is? Donc à cause de la rapidité avec laquelle les so voitures. So you sont, press a bell. Tu peux pas quitter ton travail. So he pressed the bell. And the car was still going. So he was still managing with his finger bleeding. Donc il a appuyé la sonnerie. He pressed the bell. Nobody was coming. Donc en fait, il appelait au secours en pressant la sonnerie, mais les voitures continuaient de partir. So he decided to leave. Et il a décidé de partir. And when he left. Et lorsqu'il a quitté son poste. Then the whole thing got blocked. Et donc tout le système s'est bloqué. And there were cars hitting each other. Et les voitures ont commencé à se taper les unes aux autres. The manager started running down. Et le manager est descendu. The manager, what is wrong with you? Et il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. He said, look at my hand, man. So you let the cars be hit. Et donc il a dit que son doigt était blessé. Le chef lui a dit et c'est pour cela que tu as laissé les voitures se taper les unes les autres. Many people want you, but it's not for you. Beaucoup de personnes veulent de toi, mais ce n'est pas vraiment pour toi-même. Hallelujah. Jesus says you are safe. You are safe. Et Jésus dit que nous sommes saufs. Ah, hallelujah. Then he says they will come in and go out and find pasture. The same verse. Ooh, the same verse. Whoever enters will be saved. Then he says they will come in and go out. The verse 9. Donc le verset 9, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. The thief comes only to steal and kill and destroy. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. I have come that they will have life, they will have safety throughout all eternity. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. And they will have it to the fullest. Et elles seront dans l'abondance. Hallelujah. The full life is perizos. 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 It's abundance. It's in the Greek. Perizos. Donc la vie abondante. Hallelujah. Don't follow money. Ne suivez pas l'argent. Don't follow pleasure. Ne suivez pas les plaisirs. Ecclesiastes has told us already. L'Ecclésiaste nous l'a déjà dit. It's not safe. Il n'y a pas de sécurité. I say it's not safe. Ce n'est pas. And it leaves you empty. Et ça vous vide en fait, ça vous rend vide. Don't follow it, my brothers and sisters. Ne suivez pas ces choses. Oh yes, we just want to be comfortable in life. On dit non, on veut être confortable dans la vie. Oh, we just want to have pleasure. On veut avoir du plaisir. They leave you empty and it's not safe. Et ça vous laisse vide et vous n'êtes pas en sûreté. Hallelujah. Follow Jesus. Suivez Jésus. Follow Jesus. Suivez Jésus. The other thing he says. L'autre chose que Jésus dit. Micah chapter 5. Micah chapter 5. Michée, chapitre 5. Micah chapter 5. How many points have I given you? Combien de points est-ce qu'on a discuté? How many? Four. Okay. So we're in the fifth now. Michée, chapitre 5. Thank you, Father. Which is? Verse 3. Donc, verset 3. He says, therefore, Israel will be abandoned until the time when she is in labor, when she who is in labor bears a son. Are you there? Should I read? Yeah. Okay. Dans la version, lui second, c'est le chapitre, c'est le verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où elle enfantera, ou enfantera celle qui doit enfanter. Uh-huh. And the rest of his brothers return to join the Israelites. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. This is about Jesus. Ça parle de Jésus. The verse 4. Verset 4. He says he will stand and shepherd his flock. Donc, in the strength of the Lord. Chenou, c'est le verset 3. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel. In the majesty of the name
of his God. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. They will live securely. Et ils auront une demeure assurée. For then his greatness will reach to the ends of the earth. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand with me. Je voudrais que vous puissiez vous tenir debout. We are going to read a passage together. Yes, please stand with me. Take your Bibles. Donc prenez vos Bibles. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage. Ezekiel chapter 35. Ezekiel 37. Chapter 34, sorry. Ezekiel 34. Ezekiel 34. We are going to read together. On va lire ensemble. We are going to make a very simple prayer. On va faire une prière très simple. Are you there? Do you have your Bibles? Avez-vous vos Bibles? Look with me. Avez-vous trouvé le passage? Verse 11. On va lire le verset 11 du chapitre 34 d'Ézéchiel. Verse 7. I mean, maybe when you go home, you can read from verse 7. Donc, quand vous allez à la maison, vous pouvez lire même à partir du verset 7. But just the verse 7 says, therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. Donc, le verset 7 dit, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. As surely as I live, declares the sovereign Lord. Verse 8. Because my flock lacks a shepherd, and so has been plundered and has become food for them, for all wild animals. Donc je lis le verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Because my shepherds did not search for my flock. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. But cared for themselves rather than for the flock. Qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. So God now says. Et Dieu dit maintenant. Verse 11. Verset 10. For this is what the sovereign Lord says. I myself will search for my sheep. Donc le, oh sorry. And look after them. Read it for us. Okay, donc le verset 10. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Go to the 11. Verse 11. Okay. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. I myself. Moi-même. From this time of this new Jesus coming. God says, I myself. Et donc Dieu dit, moi, moi-même. Tell somebody, I myself. Dis à quelqu'un, moi-même. Tell somebody, God is saying, myself. Dis à quelqu'un, myself. Dieu dit, lui-même, moi-même. I myself will search. Moi-même, Dieu, je vais chercher. I myself will search. Moi-même, je vais chercher. I myself will look after. Moi-même, je vais prendre soin. Hallelujah. I'm trying to share with you the verse the Lord gave me for my birthday. Donc j'essaie de partager avec vous le verset que le Seigneur m'a donné pour mon anniversaire. Wow. He says, I'll rescue them. The next verse. I'll rescue them. Are you there? The same verse. Yeah. Have you seen it? Is it the 12 or 11? Yeah, 11. 11? Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Oh, 12, yes. 12. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. I will rescue them from every bondage, every place where they are scattered. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées. Then he says, I will pasture them. If it's your Bible, keep marking the I. Keep marking. Donc, dans vos Bibles, continuez de souligner les jeux. So the first one, it says, I will search for you. Verse 11, it says, I'll search for you. Donc dans le verset 11, la première chose que le Seigneur dit, il dit, j'aurai soin moi-même de mes brebis. And he says, I'll look after you. Et la fin du verset 11, il dit, j'en ferai la revue. Oh, how many are excited by these verses? Combien d'entre nous sont excités de lire ces versets? I will look after you. Je prendrai soin de vous. The one who cannot die. Celui qui ne peut mourir. Says, I will look after you. Il dit, je prendrai soin de toi. He says, I will rescue you. Il dit, je te sauverai. The verse 13. Verset 13. He says, I will bring them out. I will deliver you.
Il dit, je les retirerai. Hallelujah. Then he says, I will pasture them. I will feed them. They will find rest. I will pasture them. The same verse. It's 14 for me. Okay. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. I will tend them in good pastures. Elles reposeront dans un agréable asile. Wow. Are you following? Est-ce que vous suivez? The verse 6, verse 15. I myself again will tend my sheep. Donc la fin du verset 14 pour nous d'abord. Et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Verset 15. And have them lie down. I myself will tend them. Donc verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit l'Éternel. Verse 16. I will search for the lost and bring back the strays. Verset 16. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will bind up the injured. Je panserai celle qui est blessée. Hallelujah. Hallelujah. If you are injured anywhere, then God says, I myself will bind up the injured. Et si tu as des blessures, quelle que soit, le Seigneur dit ce matin que c'est lui qui pansera tes blessures. And strengthen the weak. Et je fortifierai celle qui est malade. May you receive strength from the Lord in the name of Jesus. Que vous receviez la force du May Seigneur you receive strength from the Lord in the name of que Jesus. Que vous receviez la force du Seigneur May au nom he de Jésus. Bind up your weak places in the name Et of Jesus. Qu'il pense les endroits les plus faibles de votre personne au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. The verse 22. Verset 22. He says, I will save my flock. I will save my flock. Je porterai secours à mes brebis. Hallelujah. They will no longer be plundered. Afin qu'elles ne soient plus au pillage. Now the verse 23. Verset 23. I will place over them one shepherd, my servant David. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. See, there's only one shepherd though. Et sachez, il y a toujours un seul berger. Hallelujah. Hallelujah. And he says, my servant, that servant is not David, because David had already died. Et donc, il parle ici de son serviteur, même quand il mentionne David. David était déjà mort. Donc, c'est pas de David qu'il parle. Ici, il parle de Jésus. Hallelujah. One shepherd. Un berger. I will tend them. He will tend them and he will tend them and be their shepherd. Donc, il les fera paître et il sera leur berger. Hallelujah. Then he says, I, the Lord, will be their God. Verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. And my servant David will be prince among them. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Verse 26. Verset 26. Make these verses your personal verses, so. Faites de ces versets là des versets personnels à vous. Because as soon as you are injured, no, you come, hey God, this is your word. Donc toutes les fois que vous êtes blessé, revenez à ce passage et dites au Seigneur. As soon as you are weak, voici ta parole. You come straight to him. Donc si vous êtes faible, chaque fois que vous êtes faible, revenez If à ce you passage. You are lacking pasture. Where do you go to? Et si vous manquez de pâturage, où devez-vous aller? He says, I myself. Et il dit moi-même. Uh-huh. Verse 26. Verset 26. I will make them. Je ferai d'elles. And you see, he didn't put anything he will make them into. He said, I will make them. Il n'a pas dit ce qu'il va faire d'elle. Il dit simplement, je ferai d'elle. Because what God wants to make you, probably you are not yet. Et dit parce que ce que ce Seigneur veut faire de vous, certainement, c'est pas vous n'y êtes pas encore. Hallelujah. I will make them. Je ferai d'elle. And the places surrounding my hill a blessing. Et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. So he will make you a blessing. Il fera de vous une bénédiction. Hallelujah. Hallelujah. And the things surrounding you will also be blessed. Et les choses qui vous environnent seront aussi bénies. Can I hear a louder amen? Est-ce que je peux entendre un amen fort? He says, I will send down showers in season. Il dit, j'enverrai la pluie en son temps et ce sera la pluie de bénédiction. And there will be showers of blessing. Et ce sera une pluie de bénédiction. Hallelujah. 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 Verset 29. I will provide for them. I will provide for them. J'établirai pour elles. Yes. Wow. I. Wow. Verse 30. Verset 30. Then they will know.
that I, the Lord, their God, elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, am with them. Je suis avec elles. May the Lord, may people know that the Lord is with you. Que les gens autour de nous sachent que Dieu est avec nous. Wow. See, this is what he wants to do with us. Et vous voyez, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. He wants people to know that he's with you. Il veut que les gens autour de nous sachent qu'il est avec nous. Then they will know that the Lord, I am with you. Et ils sauront que moi, Dieu, je suis avec vous. And that day, the Israelites are my people, declares the Lord. Et que les Israélites, la maison, les Israélites sont mon peuple. He says, you are my sheep. Vous êtes mes brebis, c'est le verset 31. The sheep of my pasture. Les brebis de mon pâturage. I am your God. Vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu. Declares the Lord. Dit le Seigneur l'Éternel. See, I think you want to have God to be your shepherd. Je pense que vous voulez avoir Dieu pour berger. This is too sweet. C'est si doux. It's too sweet. C'est si bon. Everything is inside. Tout est à l'intérieur. Get one, get all free. Lorsque vous avez un, vous avez tout gratuit. Get Jesus, get all free. Ayez Jésus et vous aurez toutes choses gratuitement. Hey! How many want to follow him? Combien d'entre nous voulons suivre Jésus? Oh, wow. Wow. We want to tell him today. Nous voulons lui dire aujourd'hui that you are my shepherd. Qu'il voulons lui dire tu es mon berger. Give me oil to follow you. Donne-moi l'huile pour te suivre. Whatever it takes to follow you. Quel que soit ce qui est ce que cela coûte I de te suivre. I can't afford to miss these blessings. I can't. Je ne peux rater ces bénédictions. I can't let something take me away. Je ne peux laisser quelque chose me tenir loin. It's too sweet. De ces choses, elles sont si bonnes. It's too sweet. Elles sont si bonnes. Lift up your voice in a very calm way. La voix. Say, Father. De manière calme. Dites, my Father, my dites, Father. Père, mon Père. Help me. Aide-moi. Help me. Aide-moi. Help me. Aide-moi. You said you will be the shepherd. Tu dis que tu seras le berger. May I also be a sheep. Que moi aussi je sois une brebis. May I be your sheep. Que je sois ta brebis. Lift up your voice and tell Levez him. La voix. Oh, yes, Amanda. Whatever it takes, Lord. Quel que soit le prix. Oh, to follow you. Pour te suivre. To be your sheep. Pour être ta brebis. Father, help me. Père, aide-moi. Help me. Aide-moi. For I don't want to miss any of these blessings. Parce que je ne veux rater aucune de ces bénédictions. I don't want to miss any of these blessings je in my life. Je ne veux rater aucune de ces bénédictions dans ma vie. Continue to talk to him. Continue à lui parler. Oh, si andalabaya, si italiana, li italiana. Tell him I don't want to follow money. Dis-lui, je ne veux pas suivre l'argent. I don't want to follow demons. Je ne veux pas suivre les démons. I don't want to follow fetish. Je ne veux pas suivre les fétiches. I don't want to follow the devil. Je ne veux pas suivre le diable. I don't want to follow pleasure. Je ne veux pas suivre les plaisirs. I don't want to follow just becoming great or accomplishing something. Je ne veux pas être juste en train d'accomplir des choses grandes. I want to follow you. Je veux te suivre. I want to follow you. Je veux te suivre. I want to follow you. Je veux te suivre. Pray with all seriousness. Priez avec sérieux. Pray with all seriousness. Priez avec sérieux. Yes, in the name of Jesus. L'Italian dalabaya si plian dalababa. L'Italian dalabaya si telian dalabaya si Italian dalaba. L'Italian dalabaya si ata. Tell him you are my life coach. Dis-lui, tu es mon coach de vie. You are my life coach. Tu es mon coach de vie. You are my life coach. Tu es mon coach de vie. Teach me. Enseigne-moi. Lead me. Guide-moi. Guide me. Guide-moi. Prepare me. Prépare-moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sitali andale yasi payandala bayasi. Litali andala ba 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 ba. Yes, Lord. Oui. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. De te suivre. Be your sheep. Ouais, tes brebis. Now, if you are listening to me, et si vous m'écoutez, or maybe you are here, ou que vous êtes présent ici, you have never submitted this empty life you have. Tu n'as jamais soumis cette vie vide que tu as. To God. Tu n'as jamais soumis ta vie à Christ, à For Dieu. God to fill it with His life. Donnant permettant à Dieu de la remplir de sa vie. Or maybe you have been following God, but you have gone off. Ou bien tu as
eu à suivre le Seigneur, mais tu t'es écarté de you son don't chemin. Hear his voice. Tu n'entends plus sa voix. Oh, you say, Father, this morning, this afternoon. Et tu dis, Père, cet après-midi. I want to be re-established. Je veux être rétabli. I want to be re-established. Je veux être rétabli. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Lift up your hands with me anywhere you are. Levez la main là say, où vous êtes. I have not been following this champion. Je ne suivais pas ce champion. I want to follow him. Je veux le suivre. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus, with our hands lifted up, avec les mains levées, we are saying, Lord, we are rededicating ourselves. Et nous disons, Seigneur, nous redédions nos vies. Maybe we have been following money. Peut-être que nous suivions l'argent. We've been following pleasure. Nous suivions le plaisir. Following trying to be comfortable. Nous avons suivi des choses pour nous rendre confortables. We've been following the devil. Nous avons suivi le diable. We've been following the things of this world. Nous avons suivi les choses de ce monde. Father, help us. Père, aide-nous. Today we are coming back to you. Ce matin, nous revenons à toi. Our hands are lifted as a sign of surrender. Nos mains sont levées en signe de you soumission. You are the shepherd. Tu es le berger. You are the leader. Tu es le leader. You are our guide. Tu es notre guide. We are not leading our lives by ourselves. Nous ne dirigeons pas nos vies par nous-mêmes. Prepare us, Lord. Prepare us. Prépare-nous, Seigneur. Train us. Forme-nous. Teach us, Lord. Enseigne-nous. Oh, guide us. Guide-nous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Into your perfect will. Dans tes voies parfaites. Give us whatever it takes, Lord. Donne-nous tout ce qui est nécessaire to follow you. Pour te suivre. For we know at the end of the day. Parce que nous savons qu'à la fin des there's temps. Safety. Il y a la sécurité. There's provision. Il y a la provision. There's safety. Il y a la sécurité. There's provision. Il y a la provision. There's a deep, satisfying relationship with you. Il y a une profonde relation satisfaisante avec toi. Make us what you want us to be. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.